Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est RestonMath et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours au même endroit pour la même chose bien entendu. Pour la suite de Paper Mario, The Origami King, la dernière fois on avait exploré un peu Shogunland et on avait appris qu'il nous fallait une clé pour déverrouiller cette porte là-bas car le marteau apparemment n'est pas assez efficace, ce que je trouve extrêmement improbable. Alors du coup nous faut qu'on arrive à aller là-bas. Alors est-ce qu'on était entré là ou pas? Je ne me souviens pas. Oh. Oh. Un Toad. Un autre Toad. Bonjour. Un autre Toad. C'est un scandale. Il y a quelqu'un. D'accord. Bah salut les gars. Hein. Écoutez. J'étais un passe royal. N'essayez pas de rester enfermé là-dedans. J'en profite. Ah ouais, c'est pour le coup là. Ouais, c'est pas très très gentil quoi. Ok. Alors, faut qu'on arrive à... Ouh, je t'ai vu, toi. Comment je fais pour l'atteindre? Faut que j'aille là, peut-être. Qu'il y a quelque chose pour aller jusqu'au toit. Oh, magnifique. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai pas vu. Oh, lui, par contre, il est réel. Ça se voit. Ça se voyait qu'il était pas... C'était pas un dessin. Pas la même qualité. Me faire prendre ma photo et voilà que je me suis fait prendre par la photo. Dingue. Génie. Ah, il est où le photographe par contre? Il est mort? Il est mort. Ah, t'es dans ce... Oh, il y a... le capitaine rouge de la Toad Squad, là, de The Color Splash. C'est une belle référence, ça. On peut aller derrière. C'est génial, ça. Je suis sûr, il n'y a que dalle derrière, mais voilà. Ah, c'est bien, ça, comme ref. Ok, alors du coup, peut-être aller par là. Ah, d'accord. Ah, je le vois, le Goomba, là-haut. Écoutez. Le Goomba macho fait dodo, immobile. S'il y a un gros bruit, finis la sieste. Je pense qu'il parle du Koopa géant qu'il y a là-bas. Bah, c'est pas je pense, et même j'en suis complètement persuadé. Bon, voilà. Salut. J'avais vu, lui, donc bon, voilà. Alors. Bon bah ça va. Easy. Parfait. On va limite, on va y aller à coup de botte normal en fait. Ça sert à rien de gaspiller de l'équipement rare sur eux. Voilà. Tiens d'ailleurs, faut que j'équipe des nouvelles bottes de fer brillantes parce que j'en ai plus. J'en ai plus qu'une d'équipée là. Ça va pas du tout. Ah non, j'en ai même plus en fait. J'ai plus que des bottes de brillantes court. Bon, pas grave. Bah, pas grave. Est-ce que du coup, nous, on a moyen de passer par là? Non. Merde, je suis tombé. Hop. Ok. Voilà. Pouf. Pas la peine de m'agresser, je ne suis qu'un simple écriteau. Ah, c'est toi, Mario? Bah oui. Quand vous avez regardé un attaqué exemplaire, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé me cacher. Mais moi, je suis encore libre, moi. Bah oui, c'est déjà ça. Je veux savoir ce qui est écrit sur l'écriteau, moi. L'écriteau. J'ai pas dit le mot écriteau depuis des millénaires. Ah. Pas rien de passer ici? Non. 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 Rebouche-moi ça, magnifique. On va se calmer, oui. Putain, ils ont foutu du scotch, les bâtards. Je peux passer, là, non? Non. Ah non, faut que je monte sur le toit. Alors, attendez. Parce que ce toit, je sens qu'il est important, en vrai. Si on est déjà allé, du coup... Alors, attendez. Oh. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Oh. Ah. Passe d'accès, bien le voilà, mon passe d'accès. Parce qu'on est dans la place. Magnifique roue du sanctuaire de l'eau.
Est-ce qu'il y a quelque chose sous ce coussin dont j'ai oublié le nom? Non. Et ce Todd-là, aura-t-il quelque chose d'important à me dire? Parfois, j'entends comme des pas sur le toit. C'est une souris, hein. Dis-moi que c'est une souris. Non, c'était un Goomba. Un Ouri-guerrier, un Goomba Ouri-guerrier même. Alors, comment que c'est qu'il faut qu'on peut faire, nous? Il n'y a vraiment aucun moyen d'entrer. Alors, je sais pas, c'est une petite barrière. Ah bah d'accord. Ok, en fait, on fait juste sauter par-dessus. My bad. Veuillez m'excuser. Ah d'accord, et du coup, paf! Ça va le réveiller le coupable, non? Ouais. Le Koopa macho est éveillé. On peut y aller. Ouais. Mais pourquoi macho encore? Combat par vague. Sont donc ce pauvre Todd. Oh, je te vois, toi. Bah, c'est simple, ça. Voilà. Easy peasy, mon gars. Non, merde, j'aurais dû utiliser mes bottes normales, en fait. Quel con. Ils ont 10 PV, je pense. Un truc comme ça, peut-être moins. Ah, on va utiliser pour la première fois le pouvoir de l'eau en combat. Magnifique. Cercle de pouvoir activé. Magie. Transformation d'un putain dragon. Plouf. Ah non, il avait déjà utilisé lui dans un combat, je suis con. C'était au moins merveille. 500, magnifique. Pile poil même. Oh putain, c'est combattu. Mario, tu m'as sauvé, merci. Du coup, je suppose que lui, c'est le maître du dojo ou un truc comme ça, là, vu à en juger à son habit. Ouvrir. Non. Voilà. C'est qu'il faut continuer d'appuyer sur A. Emprisonné parce que je travaille ici. Incroyable. D'autres ont été enfermés dans le local du personnel. Je suis inquiet. Tu pourrais aller voir s'ils vont bien. Quelle est la partie nord-est du parc? L'entrée est cachée parce qu'on a dû prendre des mesures anti-pique assiette. Alors attends, il y a que dalle ici en fait. Ah, il y a que dalle. Alors attends, parce qu'il y a ce superbe coupe pas mes couilles là. Voilà. Oh, ton cul, mec. Voilà. Aïe. Ouais, bah dans ton cul quand même. Hey, ils ont que 2 PV ceux-là. Partie nord-est. Ah, le nord, c'est par là. Et l'est, c'est par là aussi. Alors. Ah, d'accord. Donc c'est un peu comme des blocs, ça. Ok. Pauvre Bobby. Ah. Ah, il nous faut vraiment un ouvre-porte. Hein. Mais où est-ce qu'on trouve un ouvre-porte? Je suppose que l'ouvre-plaque d'égout ne marche pas non plus. Hein? Exactement. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer alors? On va taper sur la porte, non? Non. Le tapis, il est un peu craquelé. Hein. Comment faire donc? Il y a un truc là. Ça se voit qu'il y a une zone. Mais je sais pas comment on y... Ah, mais attendez. Mais je suis complètement con, en vrai. On peut entrer ici, non? Exactement. Je suis juste complètement aveugle. Des pièces. Juste des pièces, c'est tout. Il n'y a pas de Todd ni d'entrée secrète vers la petite partie de là-bas. Non. On peut vraiment, mais il n'y a pas moyen d'aller
d'aller de l'autre côté, parce que y a une petite zone, il y a une petite zone, donc il y a forcément un truc, c'est pas pour décorer. Ah là là. Alors, faut qu'on trouve un ouvre un ouvre-porte en bois, nous. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Mais l'est. Ah mais non, mais je suis con, là c'est l'ouest, l'est c'est là-bas, donc le nord-est c'est là-bas. Sauvegarder un petit coup au cas où. Merci. Nord-est, bah du coup c'est ce bâtiment-là? Ah ou alors c'est que c'est ça. C'est ça en fait le bâtiment du personnel. Faut juste trouver moyen d'entrer. Alors attendez. Ah bah voilà. Merci. Mais du coup, il n'y a pas moyen de faire. Hop. Non. Non, il n'y a pas moyen d'aller sur le toit à partir de là. Hein. Non. Que dalle. Ah bah un champi. Magnifique. Ah mais attendez. Attendez, s'il y a moyen de faire ça, il y a forcément moyen de le faire aussi sur l'autre. Voilà. Non! Ok. Je vais pas aller là. Attendez, comment je peux faire sinon? Ouais, non, je peux pas. Hein. Et je peux pas là non plus. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'aller sur ce... Ah, mais non, mais attendez, je suis con. Je suis aveugle. Peut passer par là. Voilà. C'est putain d'acrobatique, en fait. Ok. Non. Oh. Je n'abandonnerai pas. Mais c'est ce truc là qui m'en empêche. Ça là. Et comment on fait? Ah, ou alors attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen passer genre là-dedans pour aller là-bas? Bâtiment de l'autre côté de la rivière, c'est le manoir ninja. Bah oui, mais je veux pas y aller. Parce que je suis sûr qu'en fait ici, il faut pas aller sur le toit de là, aller derrière. Et puis, pourquoi il y a une rainure là? Alors attendez, au pire. Est-ce que j'ai moyen de le faire? Mais si je maintiens bas, genre. Non, je suis allé beaucoup trop loin. Non, mais bordel. Je peux pas avoir un indice. À l'est du père, dire à droite en partant de l'entrée. Il y a le local du personnel, on y trouvera. Mais c'est. Justement, à droite, en haut à droite, en partant de l'entrée, c'est par ici, quoi. C'est. Voilà. Ouais, non, le truc qui nous pousse, c'est fait exprès, je pense. Du coup, comment on fait pour passer ici? Regarde bien partout, on finira par trouver l'entrée.
Ah, attendez. Ah, bah ouais, bah d'accord. Oh, je cherchais vraiment un truc hyper perché. Mais en fait, c'était tout con. Ah là là. Ah, un banc! Trop bien! Trop bien! Un banc! 15 minutes, on n'a encore rien foutu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, quand même. Les pauvres Toads. Halte! Qui va là? Ah, c'est toi, Mario. J'ai eu peur que ce ne soit encore un intrus. J'ai vu un individu louche entrer lorsque j'étais pillé. Porter des vêtements, une casquette verte. Oh! Luigi! C'est forcément Luigi. Le pauvre. Mario, tu es venu. Chaque coup, j'en ai envahi par les origami. Pardon, les origami. Dans le cas du Versailles, il trouvera tout ce qu'il faut pour t'infiltrer dans le château comme Arg. La clé! Elle a disparu! Quelle surprise! La clé! Elle a disparu! La clé a disparu! T'as besoin de crier. Oh, c'est que la clé est très très très. Non, ensemble avec un passe-partout avec lequel. Ah, bah c'est pour ça alors. C'est ça alors qu'il faut utiliser pour les portes. Les portes, ah bah oui, bah, forcément. Bah, le choix. Qu'on mette la main dessus. Bah oui, mais bah, faut la trouver surtout. Ouvrir. Ah. Donne-moi ça. Salut. Oh. Encore raté. Ah non, mais du coup, c'est plutôt. Encore raté. La prochaine fois sera la bonne. Ah, Mario! Tu vois, j'ai deux jeux des shurikens. Notre attraction phare, d'habitude, il y a plein de monde, mais là, personne n'est venu toute la journée. J'en profitais pour faire de la relaxation. Surtout, nos deux jeux ne s'étaient pas. Ah, magnifique. Ah oui, forcément, il n'y a pas de queue. Ouais. Pas dire aux autres que je dormais. C'est de la relaxation avancée. Si tu le dis, mec. Alors, il n'y a pas moyen de. Non, on peut rien soutirer. Ah. Putain, ils ont des trucs Donkey Kong, Samus et Goomba. Ah, mais c'est Mario, bienvenue à Shogunland, bienvenue dans le local du personnel. Stock si le matériel qu'on n'utilise plus. Quelque chose qui te plaît, n'hésitez pas à le prendre, ça nous débarrassera. Masque. Charisme parfait. Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble énormément au reste. Oh mon dieu. Oh putain. Mais quelle gamine celle-là parfois. Exactement. Ça va, me dis pas que tu trouves pas ça drôle. Avec une tête de grand gars et macho, c'est un ridicule. J'ai vu une créature aussi improbable. Putain, mais quel enfant. Oh, Spiran, tu nous as caché tel talent de clown. Ouf. Oh, le pauvre. De suite, ça nous a neutralisé un ennemi avec un fou rire. Putain. Tellement que j'ai mal cru que j'allais faire un faux pli. Oh mon dieu, oh non. Masque du. Oui, on se demande bien qui c'est. Masque simiesque sans familier. Vous avez une banane? Mon dieu. Putain. Qu'est-ce que c'est que ces bestiaux? Ce bruit, ça fait donc, donc, donc. Un singe peut-être ou une sorte de corps. Qui ne ressemble à rien. Putain. Ils sont pas malins. Hein. Alors, et celui de Samus alors? Masque mercenaire spécial. Ce masque ne permet pas de se rouler en boule. Magnifique référence. Mon dieu. Et voilà quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat quelque chose? Mais ça, c'était pas dans le trailer par hasard. Enfin, on dirait qu'il s'amuse. Ouais, c'est ça, c'était dans le trailer ça, non? Genre à la toute fin. Il y a que dalle là, non? Ouais, il y a que dalle. Ok. Du coup, je suppose que maintenant il faut aller au dojo. Pour aller voir le superbe Todd. Qui nous donnera très probablement que dalle. au moins que dalle. Eh bien, allons-y. Alors, on va voir, c'était là-bas.
Oui, je saute à 24. Ah, c'est l'os des. Ok, c'est l'os des Draymonds. Enfin, des Scolarex. Je vois, je vois. En vrai, limite, si on leur donne la clé comme truc à jeter à la place. Nah, non. Alors. Juste ici. Ah, bah non, ça, c'est les photos. Je suis con. C'est ici. Ouais. Bah non, c'est devant. Faut passer par le petit côté. Je suis con. Et rechargeons toute la zone. C'est fou comment c'est rapide de décharger, mais pas rapide de charger. Magnifique. Entrons donc. Salut, le pauvre. Salut Mario, je vais ouvrir de jeu Shuriken, mais quelqu'un m'a shippé. Ah, merde. Je suis comme maintenant, j'attends qu'il tombe du ciel, quoique mieux, vaut mieux pas. Pas le choix, je vais attendre jusqu'à ce que. Un ninja. Jusqu'à ce que passe un ninja qui en a rien sur lui. Ouais, mais j'en ai pas vraiment, tu vois. Et je pense pas que ça ce soit un shuriken. Désolé, mais c'est un dojo. Je suis pas à l'école du. Mais attends. Est-ce que du coup, on n'aurait pas moyen de demander au Ninji qui a son shuriken au lieu du tuba là, pour le rapporter et faire du coup un échange en fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit elle? Le type suspect. Fait qu'il est lié à la clé de Shogun Land. Si. Ben non, c'est Luigi. Il est pas suspect, Luigi. Oh. Ah mais oh, crois où, connasse. Allez, on va lui demander à lui, au petit ninji là-bas. C'est qu'on avait TP. Oui, tu l'as déjà dit. Ah, j'ai pas des os, mec. J'ai juste ton putain de shuriken. Y a pas moyen de les faire couler. Attends. Non, on peut pas, malheureusement. Bon. Pa-pa-pa-pa. Faut juste trouver le type en vert, quoi. Mais bon, c'est Luigi, je suis sûr. Et puis bon, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Mais c'est qu'il y a une zone que j'ai pas explorée, peut-être? Je suis déjà allé ici. Je suis déjà allé partout, en fait. Ah non, pas partout faut croire, je suis pas allé ici. Mais un point de sauvegarde et un salon de thé, c'est trop bien. Voilà. Alors attendez, on va libérer ce toad-là après. Ah, salon de thé, t'as ton thé qui t'attend. Magnifique, filiale de Shogun Land. C'est quoi ça? Écrit Champinette sur la gamelle. Mais j'ai pas de bouffe, bordel, il faut beaucoup trop d'objets. Grrr, waf waf. Ah, c'est toi, Mario. Tant bien, je viens juste de flairer une odeur inconnue. Ce type en vert avec une grosse truffe. Un gros nez qui s'est précipité dans le manoir. Couronne allure. Type en vert, on se demande bien qui c'est. Mais c'est Luigi, c'est obligé. Oh bah putain. Je vais lui foutre un coup de marteau. Ouah, la frousse. Moi qui croyais que tout ce qui était rond était mignon. Ouais, faut lui filer de la bouffe. Ça me rappelle un vieux jeu. Que probablement personne ne connaît. Quand j'étais tout petit. Putain, ça date. Hein. Ça s'appelait Lapin Malin. Et il y avait un des. Donc il y avait plusieurs jeux, hein, bien sûr, c'est une licence. Et il y avait un moment où il y avait un chien qui bloquait la route et il fallait lui faire un putain de sandwich pour passer. Ça me fait penser à ça. Attention des visiteurs, une pénurie d'eau s'arrangeait. Champinette n'est pas étant Champinette est en rogne, n'approchez pas sans nourriture. Ah d'accord, du coup il va falloir trouver ouais, l'objet à donner au Skellerrex qui puisse lancer à la place. Et puis après avec cet objet, après du coup ils nous donneront l'os, l'os on pourra le donner à Champinette. Champinette le laissera passer, ensuite on trouvera quelque chose, etc. Enfin, on trouvera autre chose, etc. Donc, pour le moment, il nous faut juste de la bouffe.
Je pense que la boue, du coup, c'est le premier objet. Après, ça va être un échange d'objets, en fait, partout dans la ville, en fait. Alors, allons voir. Salut. Oh. Dac. Alors attendez, cassons tout. Ah bordel. Enfin non, retournons tout plutôt. C'est pas cassé, c'est retourné. Peut-être qu'il y aurait moins de mal avec un. Oui, bon bah. Hop. Ah mais ça a l'air mis à l'endroit le truc. Ah c'est qu'il était déjà à l'envers, je pense, de base. Bien. Lui, il se croit dans Color Splash. J'aime pas les verres ici, ils sont tirés qui. Comment on fait pour les utiliser? Je comprends pas. Donc j'ai apporté une paille, je peux même vous la prêter. Ah, ah, magnifique! Il va falloir donner au ninja. Ok, bah du coup, en fait, ça va être le ninja, le premier truc. Putain, il est trop stylé le masquasse mis. Enfin, à genoux comme ça. sur le coussin. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a meilleur? C'était j'aurais mieux fait de commander un soda. Un soda dans un salon de thé. C'est moi, on vient de piller la caisse là. Allez. Ouvre ce coffre. Magnifique. Maison du marron du vallon. Volons la caisse. C'est horrible. On peut pas entrer là, hein. Non. Nah. 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 Il va nous falloir, je suppose. Je sens que ça va être une vieille mamie Todd ancestrale qui a une recette ancestrale de thé, quoi. Je sens que ça va être un truc comme ça. Ok, bah du coup, commençons par la paille maintenant qu'on a un objet. Commençons par là. C'est bien qu'on ait du coup débloqué les raccourcis. Ouh. Ouais, hop. Écoute, Shuriken, faut le donner. Au gars, et après le gars nous donne une chose. Ok, putain. Je sais qu'on avait TP. Ok, super matériel. Donnons-lui la paille. Tu l'utilisais pour boire, quelqu'un en a peut-être besoin. C'est plus ce qu'il me faut, vous êtes aussi des ninjas ou quoi? Non. Je cherche contre mes shurikens, marché conclu. Allez, vendu mon gars. Merci, tiens, mon shuriken. Mais du coup, il va faire comment au prochain cours quand il aura besoin de shuriken? Ah, le shuriken, magnifique. Ouf, le freeze. Ah, et cette fois, on peut lui mettre un coup de marteau. Parlez. Pas y a un goût de thé, que le doigt, je ferais bien de la laver. Ah ouais, du coup, il a foutu direct dans sa bouche. Hein. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Oh, c'est pas très très hygiénique. Bref. Allez, allons voir Shuriken Man. Et rapportons lui des shurikens. 28 minutes. Bon bah du coup, moi qui avais dit dans le dernier épisode, ouais voilà, prochain épisode, on va dans le château, on va enfin faire quelque chose. Au final non, là on s'amuse bien avec les objets. Alors. Je vais pas voir les deux jeux sans shuriken, j'en trouvais où? Bah tiens, des shurikens. Bon t'en as genre 5, mais bon, voilà quoi. On va dire que ça. Avec shuriken, toi étrange, mais tant mieux pour moi. Je vais reprendre mon quotidien. Mais trop au boulot de ta gueule. Ça a l'air sympa ici, qu'est-ce qu'on y fait au juste? Ah oui, ah, c'est pour ça qu'il y en avait 5. Au niveau des shurikens, on peut tester son habileté à annoncer un shuriken sur les cibles. Ceux qui réussissent le mode normal ont droit à une balle de baseball dédicacée par une star. Ouais, allez Mario, bon, bah essayons, hein. Mais je sais pas ce qu'on va faire de la balle de baseball. Hein. Comme si tu m'as sorti du pétrin, l'entraînement sera gratuit. Ah, mais c'est magnifique. Quel mode veux-tu essayer? Bah, on va essayer l'entraînement pour le moment. On a d'abord à manier le shuriken dans le mode entraînement. Place-toi en face d'un catapulteur, appuie sur B pour tirer. Ok. J'ai besoin d'un temps pour recharger. Ah, mais je suis con. Non, en fait, faut juste faut viser. Oh merde. Non. Merde.
Moi j'ai 18 quoi. Disons que tu es doué avec un appareil, tu peux te mesurer sans problème. Magnifique. Non. De rien. Alors, bah, je vais essayer le mode normal. En plus, c'est gratuit du coup, vu que j'ai le pass. Le mode normal, tu as obtenu 21 points, ni plus ni moins. Ouf. Ouah. Non, je suis mauvais. Oh putain, 8. Ok, j'ai 19. 20. Allez, plus que 1. On va prendre un 2. Et puis après, on va essayer d'avoir un moins. D'avoir un moins 1. Il n'y a que des moins 3. Bon, allez, là, il me faut 2. Ah, voilà, là, il y a un 2. Voilà! 21 points, bravo, tu as terminé le mode normal. Magnifique! Dégaissé par moi-même! J'étais la star de ma classe quand on jouait au baseball à l'école, garde-la, t'es sérieux? On a une balle dédicacée, mais qu'est-ce que j'en fasse? Participer. Et du coup, le mode expert, on gagne quoi? C'est pas écrit, donc je sens que c'est rien. Alors, cette balle a l'air parfaite pour être lancée. Ah, bah oui, je suis con. Les squelerex. Squelerex, ils nous donneront les os qu'on donnera à Champinette. Et après, on ira dans le temple. Dans le temple, on aura sûrement quelque chose d'autre. Etc. Et caetera, comme disaient les profs de latin. On a 32 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Même chose que la dernière fois, du coup, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de dynamisme aujourd'hui, mais bon, espérons dans le prochain épisode ce soit mieux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, à plus.